YouTube. I love the people that we're doing it every year, so we're glad to be here. And much love. Love, 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 all right. We are pitching people down for our beats. That is the way I am. If I just want to call you, I'm going to take you to school. I'm going to say, yo, next one, we're going to find out. We're going to have this for one second. Step down to the mice. Looking past, got me feeling groovy, Lord, it feels alright. Said to myself, drop that aside. If you wanna play with the program, she's got me moving. I know it. She's got me moving. I know it. She's got me moving. I know it. She's got me moving. I love it. Right. I'm on this microphone and I'm vibing.
Yeah.
shoes on. One, two, three. J'espère qu'on a du fun aujourd'hui dans le parc. On a-tu du fun? Oui! C'est bien qu'on peut célébrer une fois par année, manifester, pas se faire écœurer. C'est bien une journée de tolérance. Je voudrais aussi signaler, aujourd'hui à Toronto, il y a à peu près 30 000 personnes qui marchaient. Il y a à peu près 2 semaines à Ottawa, il y était 15 000 devant le Parlement. Fait que là, on va être ici l'année prochaine, on est ici à tous les années. Je veux que vous passez le mot à tout le monde. Quand vous allez revenir l'année prochaine, là, amenez-en 4-5 avec vous, puis dites-leur d'en amener 4-5 un peu plus. C'est juste une question de temps. Le plus qu'on est, le plus que ça va se faire. L'opinion publique. Oh, les sirènes. Et d'ailleurs, on a une belle journée avec la collaboration des autorités. On leur a dit c'était quoi notre trajet de manif. Personne portait de masque, à part un masque à gaz peut-être. Toujours, c'est ça. Donc, on va être là l'année prochaine. Puis, l'opinion publique évolue toujours. Chaque année, de plus en plus de gens sont en faveur de la légalisation. Surtout sur le plateau. S'il y aurait un référendum demain sur légaliser, là, dans le quartier qu'on vient de marcher, je pense qu'on serait à 92 %.
l'autre 8%, je pense qu'il aurait juste mal compris la question. J'aimerais remercier aussi le voisinage. On est ici à chaque année. On apprécie aussi qu'ils peuvent nous accepter et nous apprécier. On essaie de leur choisir de la bonne musique pour au moins les divertir. Et là, prochainement, il va y avoir des élections. On a un Stephen Harper au gouvernement en ce moment. C'est dommage parce que moi je connais beaucoup de conservateurs qui sont pour la légalisation, mais en ce moment leur boss, ben écoute, c'est l'ami à personne. On a même le Parti libéral qui est en faveur de la légalisation, grande surprise. Toutes les partis sauf les conservateurs sont en faveur. Donc peu importe qui vous appuyez, allez voter. C'est bien important parce que monsieur, madame, tout le monde, on est au courant, on est en faveur de la légalisation, puis il faut qu'on le fasse savoir à nos élus. En passant, il est 4h20. Et donc, bon 80, l'année prochaine, il y a des bonnes chances que la marche, on va peut-être le faire le 20 avril. On va espérer qu'il va faire aussi beau. Et j'aimerais aussi remercier un monsieur qui n'est pas ici, que vous ne connaissez peut-être pas, son nom c'est Bob Herb. Lui, il vient de la Colombie-Britannique. Il a gagné, c'est incroyable, il a gagné 25 millions de dollars à la loto. Et il s'est engagé pour faire le financement de la légalisation. Il a donné 10 000 $ aujourd'hui pour qu'on puisse faire le spectacle. On lui donne une bonne main d'applaudissement. Thank you very much to Bob Herb from British Columbia for his generous donation. We really appreciate it. That's the kind of guy who's going to make a big difference in the long run. Donc, le spectacle achève. On va avoir quelques numéros ici. Après ça, on va fermer pour cette année et se donner rendez-vous l'année prochaine. Et à ce moment-là, bien évidemment, on va vous demander d'aller sur le Mont-Royal ou dans un autre parc, parce qu'on va fermer la shop et comme ça, ça va garder des bonnes relations avec les autorités pour la prochaine fois. So, thank you very much. Merci, vous êtes super. Merci, Mother Nature, pour la belle journée. Et merci à tous les musiciens. See you next year. Say, that guy always wins!
here. You guys know much, some of you may watch late-night movies. Is that how you say B? And some of that's been shot down with some heavy. This song is called Into Movies in the Ghetto. Baby, baby, I don't got it wrong.
for a big second. All night long, she knows it keeps taking. All night long, she knows it keeps taking. Baby, baby, all night long, she knows it keeps taking. Merci à tout le monde d'être participé. Thanks everyone for coming down. Merci à tous nos musiciens. Merci à tout le monde. On se revoit l'année prochaine. En espérant que l'année prochaine, on va célébrer parce que ça va déjà être légal. D'ici ce temps-là, amusez-vous bien. Alors c'était l'événement, l'assemblée, la marche et le spectacle pour la marijuana. L'événement, le Global Marijuana March in Montreal sur 99media.org. So this was the live broadcast of the Global Marijuana March event in Montreal, and was live on 99media.org. Je
merci à tous d'avoir suivi l'événement. Je vous invite à suivre mon Facebook et mon Twitter pour savoir l'heure et l'endroit de mes prochaines web diffusions. So I invite you all to follow my Twitter and Facebook to find out my next live stream.
Ah ouais, c'est rentré deux fois, comique. Toujours live, puis c'est ça. J'ai eu la chance de dropper dans mon sac pendant qu'il était live. Ok, c'est pour ça qu'on ne voyait pas. C'est parce qu'il était dans mon sac. C'est mon sac. Je sais qu'à mon ami, j'entendais, puis là, je suis comme. Mais, tu sais, je te jure, j'ai écouté jusqu'à temps que je pense qu'on perde de vue. On a perdu les ondes, je ne sais pas quoi. La batterie de la caméra. Ah, ok. Ah, c'est ça. Il y a une qui m'a dit il y a juste deux batteries ou trois batteries. Oui, ça répond. C'est encore en direct. Je travaille pas pour Radio-Canada, le TVA, il est en bas. C'est rendu comme ça à Montréal. CUTV a eu le droit au même traitement. Ils étaient ici de bonne heure, mais ils ont eu le droit au même traitement. Je sais. Ray, il y a eu Michel Moore, il y a eu. C'est-tu la même télé, je pense? Ben, moi, puis William Ray, puis les deux autres gars, ouais. C'est Michel, t'as pas dans notre autobus. Michel, c'est. L'animatrice de CUTV. Ok, la blonde qui était avec William. Oui. Oui, le son est-tu? T'es-tu? This is like
on fait ce qu'on veut, ce qu'on a. J'ai dit à mes amis, mais pas plus. Tu peux les envoyer sur mon YouTube. Les images sont là. Ils sont pas encore synonymes. Ah, ben là. Faut le pogner live quand ça arrive. Non, pas vite d'accès, non.